hyperacusis, c'est tout simplement moi. C'est mon histoire, c'est mes blessures, mes fêlures et mes tracas, aussi bien du passé que du quotidien. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance difficile ou une vie difficile parce que ce serait mentir, donc je ne le dirai pas. Mais j'ai vécu des choses difficiles, j'ai traversé des étapes que peut-être j'aurais pu ne pas traverser avec un peu plus de luminosité dans ma vie, dans mon quotidien, avec un peu plus de chance peut-être aussi. Mais par rapport à l'album, c'est vrai qu'à travers mes chansons, je refuse de prendre ces étapes difficiles comme quelque chose qui restera toujours délicat. En tout cas, délicat à se remémorer. Je préfère prendre tout ça comme une force. Comme une force, et aussi pour que beaucoup de jeunes filles puissent se retrouver dans mon expérience, dans ce que j'ai pu vivre. Et en fait, cet album, c'est un petit peu la preuve que même après toutes ces mauvaises passades, je suis là. Je suis moi et je suis toujours là. Voilà, j'existe toujours et surtout je suis devenue beaucoup plus forte. J'ai toujours des peurs, j'ai toujours des craintes, c'est normal, je suis humaine, mais je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc écoutez cet album comme une force, vivez-le, ressentez-le, imaginez-vous dans un cercle, dans une bulle de protection, une bulle cocooning quand vous écoutez les différentes chansons. J'espère que ce premier projet que j'ai réalisé toute seule, j'ai composé et écrit les chansons toute seule, j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Et voilà, tout simplement, j'espère vraiment que vous l'apprécierez autant que moi, je suis comblée de l'avoir écrit. Celle qui ne frappe pas dans la terre.